pour la soirée. Je me suis bien amusée à la soirée, la danse. Et maintenant, nous sommes ici pour le dîner. Je me suis tellement amusée, merci. Je t'en prie. Je me suis bien amusée également. Surtout la partie où les mecs bavaient et te regardaient comme des tout petits chiens. Écoute, tu étais réellement la plus belle femme de la soirée. Non, je ne te crois pas. Non, 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 non. Je ne pouvais pas être la plus belle avec toutes les femmes qu'il y avait là-bas. Non. Je n'ai vu personne d'autre. Bien, c'est bon comme tu essaies d'être modeste. Tu sais, et moi aussi d'ailleurs, Dieu t'a envoyé sur la terre pour éclairer le monde, et spécialement ma vie. Oh, merci beaucoup de faire partie de ma vie. Tu es un mec magnifique et merveilleux. Merci. Merci. Merci pour tout. Bissy? Oui, madame. Tu le penses? Bien sûr, madame. Je ne vous ai jamais vue aussi joyeuse et aussi belle. Vous êtes radieuse. Mais je ne sais pas. Je ne m'y connais plus trop avec les hommes. Vu que tout ce que j'ai reçu d'eux, c'est déception sur déception. Madame, c'est vrai que la plupart des hommes d'aujourd'hui sont vraiment des salauds. Mais si vous voulez mon avis, je dirais que M. Benson est différent. Parce qu'il n'a rien fait d'autre que de vous rendre radieuse depuis que vous sortez ensemble. Ah. Je veux complètement lui donner mon cœur. Mais j'ai peur. Je veux dire, je ne veux plus. Je ne supporterai pas une autre rupture. Non. Madame, si je peux me permettre, la peur, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose d'avoir peur. Ce qui se passe de nos jours, à peine on rencontre quelqu'un, on s'engage. Et avant de comprendre, vous êtes déjà séparés. Oui. Alors, si je peux me permettre, allez-y doucement. Vous le connaissez à peine. C'est quoi ton problème? Mais qui est aveuglé la part de l'amour qu'il y a entre eux deux? Madame, si vous me demandez, Olga Benson est le meilleur homme pour vous. Donnez-lui une chance. Tu as raison, Bissy. Tu as tout à fait raison. Benson est l'homme idéal pour moi. Il a été très patient et j'ai fini par l'aimer pour ça. Merci, Bissy. De rien, madame. Mais pourquoi est-ce que je perds même du temps? Pourquoi pas ce soir? Ali, donne-moi les clés de la voiture près de toi. Les clés pour quoi, madame? Madame, où allez-vous à cette heure de la nuit? Donne-lui les clés de la voiture. Mais c'est quoi ton problème? Ali, donne-moi les clés de la voiture. Madame, merci. Il y a trop de bouchons à cette heure de la nuit. Il se fait tard. Écoute-moi, toi. Moi. C'est moi qui te tuerai. Je vais te tordre le cou. Quoi? Moi quoi? Moi quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire? Ta famille entendra ce que je vais faire un jour. Un jour, je te le dis. Je vais enlever ta vie où tu l'as mise. Attends. Madame est amoureuse. J'ai vraiment très faim. Alors, quoi de neuf? Le repas est-il prêt? Serre-moi un peu que je mange. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai envie de manger, j'ai faim. Ah! Mets-toi là, juste à côté de la porte. La prochaine fois que tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi, on n'entre pas ici. Même madame n'entre pas ici.
Oga, s'il te plaît, s'il te plaît. Je n'ai pas la force pour me disputer avec toi. Donne-moi les bêtises que tu as tournées là, que je vois si ça peut passer dans ma gorge. Mon repas des bêtises? Non. Venant d'une personne qui ne sait pas bouillir de l'eau. Sais-tu que si on n'avait pas une bouilloire ici, tu serais morte de froid si tu voulais prendre ton bain? Parce que t'es incapable de faire bouillir de l'eau. Tu oses traiter ma nourriture de bêtise? Tu ne manges pas. Donne-moi la nourriture, je veux manger. Tu veux manger? Non, j'ai faim. Si tu veux manger, sois respectueuse. Si tu veux manger, sois polie et demande-le-moi gentiment. Allez, j'ai très faim. S'il te plaît, sauve ma vie. Donne-moi à manger. Parce que c'est parce que la famine veut me tuer. Même si ce n'est pas moi qui ai acheté, c'est moi le responsable ici. Si tu ne peux pas me montrer un peu de respect pour demander à manger, reste très loin d'ici. Je ne vais nulle part, je ne reste pas dehors, je veux manger. Donne-moi à manger, je veux manger. Écoute comment tu me parles. Tu as oublié le respect. Quel respect? Sais-tu où j'ai appris à préparer? Est-ce que tu sais où j'ai fait des études culinaires? Est-ce que tu sais? Et tu me parles, écoute, je suis un cuisinier international. Oui, on ne joue pas avec ma nourriture. Tu viens traiter ma nourriture de bêtises. Cuisinier international. Oga, tes collègues sont là, à cuisiner pour de grands restaurants à Lagos. Ils cuisinent dans les hôtels 5 étoiles. Chef, les ministres et les gouverneurs. Et tu es là, à te cacher dans cette petite cuisine. Te disant cuisinier international. Oga, s'il te plaît, calme-toi. Donne-moi la nourriture. Laisse-moi te dire un truc. Ne me méprise pas parce que je suis ici. Tout le monde ne peut pas être un acteur. Si tout le monde est acteur, personne ne va regarder les films. Tout le monde ne peut pas cuisiner pour les gouverneurs et les sénateurs. Moi, j'ai la passion de prendre soin des particuliers comme madame. Je m'occupe des individus qui veulent mener une vie très discrète. Tu n'es pas allé à l'école, tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi tu souffres de ma nourriture. En fait, c'est cette même nourriture qui ne fait que te sauver dans cette maison. Mais comme je ne sais pas ce que tu es venu faire, tu as très faim et tu me parles n'importe comment. Sors d'ici, il n'y aura pas de nourriture pour toi ce soir. Tout ce que tu dis là, tu jacasses beaucoup. Je veux manger, je ne veux pas écouter ces bêtises. Tout ce que tu racontais là, si tu tournes la poignée de cette porte comme ça, elle s'ouvrira et tu pourras sortir. Je ne vais nulle part, c'est ta maison. Bessie. Hein? Tu vas sortir. Allez, ici ce n'est pas ta maison. Laisse-moi tranquille, je veux manger, je veux manger. Laisse-moi tranquille. Dehors. Je ne vais nulle part. Dehors. Je ne pars pas. Laisse-moi tranquille. Hey, bébé. Surpris, n'est-ce pas? Lucia. J'ai décidé de te faire une surprise parce que tu sais. Benson, qu'est-ce qui se passe ici? C'est à toi que je parle. Qui est-elle? Benson. Tu as ramené une autre femme cette nuit? Alors que tu m'as déposée il y a une heure? Non, 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 ce n'est pas ce que je pense. Donc, je me suis rabaissée autant. Je me suis rabaissée à ton niveau. Juste pour être avec toi et tu me traites ainsi? Tu me traites ainsi? Bébé. Tu m'as mordu? Oui. Tu m'as mordu? Regarde ces laies de dents sur mon corps. Pour la même nourriture que tu as traitée de bêtise. Oui. C'est pour ça que tu as mordu ma chair. Tu es un chien. Hein? Que je n'ai pas mordu tes jambes. Je jure que je les aurais mâchées. Tu parles encore? Tu parles encore, oui. Hein? Tu parles encore? Oui, tu vois cette nourriture? Tu vois cette nourriture? C'est toi qui as fait ça. Cette nourriture va t'étouffer. Cette nourriture, cette
Cette nourriture va t'étouffer, tu m'entends? Tu auras la diarrhée aujourd'hui, tu auras la diarrhée demain. Tu auras la diarrhée toute cette semaine. Pas de problème, que ça m'étouffe pendant un mois. Tu as laissé ton village pour venir travailler comme cuisinier à Lagos, pendant que tes égos sont là à gagner des millions de naira. Tu es en train de m'insulter. Regarde-toi. Tu dis que je me regarde, mais regarde-toi, regarde ta vie. Tu ne réalises pas que tu es bête quand on pense que tu es dans cette maison. Avant moi, et madame m'a recruté pour venir cuisiner. Parce qu'elle a réalisé que tu es inutile et tu ne réaliseras rien dans cette vie. Car tu es totalement inutile. Tu n'arrives même pas à chauffer de l'eau. C'est pour ça que j'ai été recruté. Laisse-moi te dire un truc. Je ne te plains pas du tout. Je plains le gars idiot et malheureux qui fera de toi son épouse. Aïe. Hein? Parce que tu vas le conduire prématurément à la mort. Parce que je vais me marier. Toi, tu vas te marier. Toi qui as tellement peur des femmes. Comme il fait, tu es incapable de l'amener ici et lui faire. Ce sont ces femmes. Tu me traites d'impuissant. Oui. Hein? Tu m'as traité d'impuissant. Hein? Hey. J'espère que ce monsieur n'a rien fait, madame. Calme-toi. Comment sais-tu que c'est Oga Benson? Hein? Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose en route qui l'a poussé de vite rentrer. Pourquoi ton cerveau fonctionne toujours à l'envers, à l'envers, à l'envers? Hein? Quand tu vois les gens en colère, tu peux deviner ce qui ne va pas à cet instant. Ce genre de colère a quelque chose à voir avec le cœur. Ali. Tu n'as pas vu la façon dont elle respirait? Ça, c'est... c'est un problème de cœur. Ah, ah. Mais ça ne veut pas dire que je dois blâmer Oga Benson, non? Mais pourquoi tu es bête? Ne peux-tu pas dire un truc sans toutefois m'insulter? C'est parce que t'es idiote. Tu vois ce genre de colère et tu dis que ce ne sont pas des problèmes de cœur. Ce sont des problèmes de cœur. Toi, tu es intelligent. Si je suis intelligent... Non, je n'arrive pas à le croire. Bonjour, Lucia. Bonjour, Benson. Qu'est-ce que tu fais ici? Lucia, je suis venu te parler. Ton gars ici présent m'interdit d'entrer. Lucia, me considères-tu vraiment comme minable, comme n'étant pas digne d'entrer dans ta maison? Benson, combien de temps? Vas-tu continuer à courir après une femme qui a été abondamment claire? Qu'elle ne veut pas de toi? Lucia, aussi longtemps que ça me prendra pour te prouver que je t'aime réellement, aussi longtemps ça me prendra pour te prouver que je suis ici pour effacer tout le mal que les hommes t'ont causé. S'il te plaît, Lucia, s'il te plaît, donne-moi une chance. Benson... je ne suis pas intéressée pour une quelconque relation avec aucun homme. Et puis, c'est tout. Attends un moment. Tu essaies de me dire que tu es lesbienne? Je ne suis pas lesbienne. Je suis une femme qui a décidé de rester célibataire et de rester loin des hommes et de leurs problèmes. Je veux protéger mon cœur, Benson. Laisse-moi le protéger avec toi. Laisse-moi juste une chance de protéger ton cœur. Écoute, j'ai des filles à qui j'ai donné mon cœur et elles l'ont toutes brisé. Elles ont brisé mon cœur. Donc je comprends ce que tu ressens. S'il te plaît, donne-moi une chance, Lucia, et je te prouverai que je suis l'homme qui ferait tout pour toi. S'il te plaît, laisse-moi entrer. S'il te plaît, Lucia, s'il te plaît. Donne-moi une chance, donne-moi une chance. Ok. Lucia, qu'est-ce qui ne va pas?
Rien du tout. C'est juste qu'il se fait déjà un peu tard. Je dois rentrer maintenant parce que j'ai du travail à faire demain. Comment ça tu dois rentrer chez toi? Je pensais que tu passais la nuit ici. Non, Benson. Je n'ai pas l'intention de passer la nuit. Lucia, nous sommes ensemble depuis 6 mois de cela. Tu ne cesses de me repousser. Je ne comprends pas. Je ne te repousse pas. Tu me repousses constamment. Je ne suis pas un gamin. Je sais ce que c'est qu'être repoussé. Tu ne fais que me parler comme un gamin. Dis-moi, Lucia, parle-moi, c'est quoi le problème? Benson, je ne vais pas faire l'amour avec toi tant que je ne me sentirai pas prête. 6 mois de cela, mais tu n'es toujours pas prête? La longueur du temps n'est pas le problème, Benson. Le truc est que je ne suis pas prête à faire l'amour. Et c'est de ça qu'il s'agit. Benson, je commence à t'apprécier. De grâce, ne gâche pas tout maintenant, s'il te plaît. Je t'en prie. Bonne nuit. Ok, où est-ce? Ok. Ah. Aujourd'hui... Je ne comprends pas. Tu vas comprendre. Tu es sûr qu'on est en sécurité? Tu vois pourquoi je dis que tu es stupide? Toi, tu es intelligent. Je vais te battre. Battre qui? Je vais te battre. Qu'est-ce qu'un homme est, maman? Madame. Allez, donnez-moi ceci. Ne touche pas. Mon père, ramène ça ici maintenant. Je m'adresse à toi. Madame, laissez-moi... Laissez-moi vous aider. Regarde-moi ce mec stupide. Aide-toi toi-même. T'es-tu aidé? Je ne sais même pas. As-tu pris ton bain après avoir cuisiné? Tu sens comme un bouc. Madame, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Madame. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Tu fais gifler le démon hors de toi. Ma gifle t'a déjà touché. Tu ne connais pas la force de cette main. Tu vas me ramener mon vin ou pas?
Hein? Madame, je veux vous aider. Aime une femme. Je veux vous aider. Dégage, dégage d'ici. Dégage d'ici! Hors de ma vue, idiot. N'importe quoi. Où sont mon vin? Ramène mon vin tout de suite avant que je... Ramène mon vin. Écoute, Lucien, je comprends comment tu te sens. Mais il faut également que tu comprennes que Benson est un homme. Et la plupart des hommes sont des salauds. Vraiment? Oui. Et Benson est vraiment désolé pour tout ce qu'il t'a fait. Il veut que tu reviennes. Ouais, c'est ça. Bon à savoir. Alors... Quand il est venu te voir de venir me supplier, t'as-t-il aussi dit que la femme que j'ai trouvée chez lui, il est avec elle depuis plus de 2 ans? Quoi? Oui, ils sont ensemble depuis plus de 2 ans. J'ai découvert cela lorsqu'elle est venue dans mon bureau. Ah! Elle est venue dans mon bureau pour me questionner à propos de ma relation avec Benson. Tu t'imagines? T'es pas sérieuse là? Et ce crétin ne m'a rien dit de tout ça. Ah, oh, cet homme est vraiment un salaud. Tu peux le redire encore. Ah, un sale. Un idiot. Ça va? Une seconde, s'il te plaît. Ma puce, tu es sûre que ça va? En fait, ça fait la 2e fois que tu te sens mal depuis que je suis là. Tu dois voir un médecin. Je le crois aussi. Quand je pense que je soigne la malaria depuis un moment, mais je ne vais pas mieux. Je dois voir un docteur. Et tu dois le faire tout de suite. Oui. Va changer de vêtements. Je t'amène à l'hôpital et je te ramène. Oui. Ok. Merci beaucoup, ok? Une minute. Les hommes. Quand je pense que Benson avait une autre femme et il la poursuivait comme il a fait. Certains hommes sont vraiment des salauds. Ne te casse pas le cou. T'inquiète, t'inquiète, il ne viendra pas aujourd'hui. Regarde-toi, regarde comment tu trembles. Tu attends, hein, ton sapeur-pompier. Laisse-moi t'aider à regarder, t'inquiète. Quelqu'un m'a dit qu'on l'a viré. Écoute. Quoi? Ali, qu'est-ce qu'il y a? Disparais. Je ne disparais pas, je suis là avec toi. Je ne veux pas voir ton visage aujourd'hui. Regarde-toi, tu attends qu'un homme vienne te satisfaire. D'ailleurs, je ne suis pas d'humeur à me quereller avec toi. Je suis d'humeur pour toi. Allez, disparais. Je ne disparais pas, je reste ici. Regarde-toi.
Regarde, regarde ton cou. Tu vas te briser le cou parce que tu attends qu'un homme vienne te satisfaire. C'est ton problème. Regarde comment tu es sans valeur. Madame est partie de cette maison avec son petit ami. Toi, tu es là, tu tords ton cou à attendre qu'un homme vienne te satisfaire. Ton corps fait comme ça. C'est ton problème. Oui, c'est mon problème parce qu'on bosse ici ensemble. Honnêtement, c'est mon problème. Ça me dérange. Allez, occupe-toi. Je ne vais pas m'occuper de mes oignons. Ce gars, sais-tu que ce gars ne connaît pas de déodorant? Tu ne peux pas respirer ses aisselles quand il est couché sur toi. Toi-même, tu utilises du déodorant? Mais de quoi tu parles là? Regarde-moi. Regarde-moi. Hume mon odeur. Homme impuissant. Ne m'insulte pas. Même si tu l'utilises, tu es un homme impuissant. Je vais te dénoncer chez madame. Que lorsque madame sort d'ici, un gars vient te satisfaire, je vais te dénoncer. Elle va te virer, je te dis. Et je dirai aussi à madame, comment tu ramènes cette petite fille qui s'enferme dans la chambre pour coucher avec toi? Moi? Essaye et tu verras. Mais c'est quelle méchanceté ça? C'est quoi ton problème? Non. Ne me mets pas dans les problèmes. Je ne veux pas perdre mon boulot, je te préviens. Je te dis ce que je dirai à madame. Pourquoi lui dire ça? T'es une sorcière. Tu es un sorcier. Une personne qui connaît la vérité et décide de mentir à une sorcière. Je vais dire à ma... ton pompier, là. Ouais. Tu es tellement belle. N'est-ce pas? Devine quoi? T'es gardé quelque chose. Waouh! Hey. Toi, tu ne connais pas le respect. Tu ne connais pas le respect. Je suis placé là. Regarde-le. Et tu es là, tu caresses ma collègue devant moi. Écoute, Ali, laisse-moi te dire. Je suis venu ici, JJ, par mon gré. Je ne suis pas ton fan, je ne t'apprécie pas. Tu ne m'apprécies pas. C'est exactement ça, alors reste de ton côté, je reste de mon côté. Tu n'as pas besoin de m'apprécier, je vais te dénoncer. Ton patron est sorti et tu te glisses ici pour tirer un coup sous le soleil. Je vais te dénoncer. Ignore celui-là. Ignore ce gars impuissant. Moi, impuissant? C'est la jalousie. Je suis jaloux. Parce qu'il sait que tu es un vrai homme. Qui sait? Un homme véritable. Il y aura des cris de joie à la maison aujourd'hui. Ouais. Bébé, à cause on y va. De cette crème périmée qu'il t'a offert, tu as retrouvé le sourire. Oui, c'est ma crème périmée. Je ne te donne pas, Berk. Tu ne m'en donneras même pas. Si tu lui donnes cette crème, quoi. Je vais me fâcher. Regardez-la. N'importe quoi. Regardez-moi cela. Reste là. Il ressemble à deux personnes qui sont atteintes d'une infection. N'allez pas vous faire mal. Oui, docteur. C'est quoi ce problème de fièvre que j'ai? De typhoïde ou de paludisme? Bien, on n'a trouvé aucune trace de malaria ou typhoïde. Parce que vu les symptômes et les signes, nous ne sommes pas sûrs que c'est la malaria ou la typhoïde. Je ne pense pas comprendre ce que vous voulez dire par là. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous êtes enceinte de 2 semaines. Je vous demande pardon? Ouais. Vous êtes enceinte de 2 semaines. Et je vous ai entendu. Vous plaisantez, pas vrai? Plaisanter? Je ne saurais plaisanter avec la santé de mes patients. Ça doit être la plus grosse blague du siècle. De grâce, docteur, s'il y a des caméras cachées, pouvez-vous les éteindre? Je ne suis pas d'humeur. S'il vous plaît, docteur. Vous êtes sûr que c'est son sang que vous avez utilisé pour les examens? Ou bien vous avez confondu avec quelqu'un d'autre? Mais, mesdames, je ne comprends pas ce que vous racontez. Nous sommes l'un des meilleurs centres médicaux de la ville. De plus, je suis le médecin personnel de Lucie depuis 4 ans déjà. Et vous savez que je ne plaisante pas avec mon travail. Je ne peux pas être enceinte, docteur. Exactement. Je ne peux pas. Je n'ai eu aucun rapport depuis plus d'un an. Et vous êtes là à me parler de grossesse? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ok. Lucia, calmez-vous. Les échantillons de votre sang indiquent qu'il y a un fœtus de 2 semaines dans votre ventre. Bien, si vous ne croyez pas ce que je viens de vous dire, vous pouvez partir dans un autre centre ou un laboratoire médical. Vous refaites l'examen et vous confirmez par vous-même. Thank you.
Place-toi là. Qu'est-ce que tu fais ici? Que cherches-tu? Je suis venue voir mon chéri d'amour. Je ne te manque pas. Mais tu ne me manques pas. Effet, qu'est-ce que tu fais ici? Quand vas-tu arrêter tout ça? Écoute, si tu n'arrêtes pas ce que tu fais là, je vais le dire à ma patronne pour qu'elle dise à la tienne. Je n'ai pas le temps. Qu'elle te dise d'arrêter, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps, mais va-t'en. Je vais aller récupérer les enfants de ma patronne à l'école. Alors, nous pouvons le faire rapidement. Faire quoi? Toi et qui aller faire quoi? Tu veux me faire? Hein? Va en prison. Il y a des prisonniers qui ont besoin de faire là-bas. Ne me dis pas que tu n'as pas un truc en veille qui pourrait rendre une femme heureuse. Hein? Il y a tellement d'hommes là dehors qui mourraient pour m'avoir. Pourquoi te comportes-tu de la sorte? C'est ça la vérité. Je ne veux pas mourir. Hein? Soit avec ces hommes qui veulent mourir, moi je ne veux pas mourir. Va-t'en, s'il te plaît. Tu marches comme ça, tu vas tout droit dès que tu vois le portail, tu sors. Au moment où tu réaliseras ce que tu fais, il se fera trop tard. Ne t'attends pas à ce que je t'attende pour toujours. Qu'est-ce qui ne va même pas chez toi? Tout va bien chez moi. Va-t'en. Pardon. Merci, je ne veux pas venir avec toi. Merci beaucoup. Ferme le portail en sortant. Si je viens. Madame, vos résultats sont là. S'il vous plaît, que disent les résultats? Félicitations, madame. Vous êtes enceinte de 2 semaines. Excusez-moi, je dois retourner au travail. Oh, merci. C'était vraiment incroyable. Comme d'habitude. C'était génial. J'ai aimé aussi. C'était si créé. Vraiment merveilleux. C'est déjà fini? Oui, c'est déjà fini. Vous avez fini? Même pas 2 minutes et vous avez fini? Oui, on a fini. Donc les hommes capables font 2 minutes. Le gouvernement fédéral a voté une loi que le temps qu'un homme doit faire sur une femme, c'est 2 minutes. Tu n'as pas pu le faire. Et alors? Hein? Viens sortir. Ne t'occupe pas de lui, il est jaloux. 2 minutes, 3 minutes, il est jaloux. Un homme capable. Sors d'ici. Dehors. Merci. Que je ne vois plus tes yeux sur elle. Sors d'ici. Celui-ci, ce n'est qu'un impuissant, laisse-le. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je vais t'attendre demain. À l'heure habituelle. Passe là-bas. Retourne là-bas. Allez, retourne. Certains sont jaloux. Je suis encore là. La jalousie. Je ne vais pas quitter ce portail. Je reste ici parce que je sais qu'il reviendra. Je ne suis pas stupide. Il va bientôt revenir. Je suis là pour ouvrir le portail. Un homme de 59 secondes. Non, mais sérieux. Ma puce, pas la peine de me raccompagner, ok? Tu dois rentrer et te reposer. Ok, merci. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je crois que j'ai besoin de vacances maintenant. Là, tu marques un point. Mais j'ai besoin que tu te reposes. Essaye de manger quelque chose, ok? Tout ira bien. Ok? Ça va aller. Merci. Je t'en prie. Merci. Prends soin de toi. Bye. Bye. Merci, madame. Bissi. Oui, madame. Un instant. Ta patronne ne se sent pas bien. S'il te plaît, je ne veux pas que quelqu'un la dérange. Ok, madame. Si elle veut manger, donnez-lui à manger.
En dehors de ça, ne la dérangez pas, ok? D'accord, madame. Merci beaucoup. Ok, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Que penses-tu de ce qui arriva, madame? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Ah, quelque chose ne va pas bien. Je l'ai entendu pleurer dans sa chambre. Je l'ai entendu pleurer. Rita m'a dit qu'elle sortait juste de l'hôpital et qu'elle ne se sent pas bien. Elle est allée pleurer dans sa chambre. Je ne sais pas. Essaye d'imaginer. Ne me dis pas que madame pleure à cause d'une injection. Comment peut-elle pleurer à cause de l'injection? Est-elle un enfant? C'est une adulte. Ah ah. Pourquoi pleure-t-elle alors? Je ne sais pas. Ah non, dis-moi, pourquoi d'autres pleureraient si ce n'est pour une injection? Ces riches peuvent être très amusants parfois. À cause d'une petite piqûre, madame pleure comme un bébé. Bissi, sors d'ici. Je ne veux pas qu'on canne. Je ne veux pas qu'on canne aujourd'hui, à demain. Sors, je veux cuisiner quelque chose à manger pour madame. Est-ce que tu sais que tu es un tueur de joie? Je suis un tueur de joie. Tu es un tueur de joie. Le bon mot, c'est... rabat-joie. C'est la bonne expression. Rabat-joie. Que ce soit rabat-joie ou tueur de joie. C'est qui est là? Tu es l'un d'eux. Comment ai-je tué ta joie, dis-moi? Ah, ah non. Tu viens de tuer ma joie. Tu as tué mon humeur, comme d'habitude. Parce que je ne veux pas faire de commérage. Bissé. Qu'est-ce qu'il y a? Tourne la poignée de la porte, elle s'ouvrira. Avance juste en marchant et tu sors. Je veux cuisiner. Écoute, ne crois pas que je pars parce que tu n'es pas allé haut. Ne crois pas ça. Même dans tes rêves les plus fous, ne crois pas. Je pars parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai la lessive à faire et prendre soin de cette maison. Hey! Qui est-ce? Madame, c'est moi, Ali. J'ai apporté votre repas. Je n'ai pas faim. Va-t'en, va-t'en. Madame. Mais madame, vous avez faim. Je t'ai dit que je n'ai pas faim. Que fais-tu ici? Madame, vous avez faim. Vous ne le savez pas, mais vous avez vraiment faim. Madame, nous sommes juste très inquiets pour vous, madame. Hein? Vous savez, madame Rita nous a fait savoir que vous ne vous sentez pas bien, que nous devons vous nourrir. Madame, ceci, c'est du chinois. Hein? Ali. C'est continental, vous allez aimer. Ali. Juste une seule bouchée, Ali. Madame. Essayez, s'il vous plaît. Écoute-moi. Oui. Veux-tu continuer à travailler pour moi? Madame, j'adore mon boulot ici. Bien. Je ne suis pas d'humeur. Et je veux que tout le monde, surtout toi, me laisse tranquille. Est-ce que tu m'as compris? Désolée, madame. Écoutez, madame, quand les gens ne se sentent pas bien, ils sont fâchés, ils sont irrités par beaucoup de choses. Madame, je peux comprendre votre irritation, je suis désolé. Mais madame, écoutez, je peux vous assurer que si vous mangez, hein, vous allez vous calmer. Vous savez ce qu'on dit. Un homme en colère est un homme qui a faim. Madame, prenez juste une bouchée. Mets-toi dehors. Désolé. Attends. Oui, madame. Prends la nourriture et sors avec. Permettez-moi de vous apporter de l'eau. Pour vous calmer, je viendrai prendre la nourriture. Désolé, madame. Je pensais que madame était là. Où est-elle? Je pense qu'elle est sortie prendre un peu d'air. Ah, ouais, c'est vrai. Elle est allée prendre un peu d'air. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Je ne sais pas. Mais la femme n'est pas dans son assiette, je te jure. Elle ne l'est pas du tout. Mais à la fin, elle a quand même mangé un peu. Ça lui permettra de reprendre des forces. Tu veux dire la nourriture qu'elle a mangée et rejetée après? Elle a quoi? Ah, elle a rejeté juste après. Mais c'est quoi le problème au juste? Qu'est-ce qui ne va pas depuis? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Je veux dire, ceci n'est pas la première fois qu'elle tombe malade et que nous devons prendre soin d'elle. Mais il y a quelque chose d'étrange envers son attitude ces jours-ci. Tu sais quoi? Il n'y a que nous dans cette maison qui s'inquiétons pour elle. Pourquoi ne pas contacter sa famille pour qu'ils sachent ce qui se passe? Pardon, je ne ferai pas une telle chose. Tu sais comment madame aime être indépendante et tout. Elle ne sera pas contente si sa famille s'immisce dans sa vie privée. Oya, tiens. Aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Regarde comment je suis fatiguée de tous ces problèmes. Oh, gars, viens prendre. T'aider quoi? Tu ne peux pas m'aider quelquefois? Tiens, va faire ce pourquoi tu es payé dans cette maison. Mais c'est quoi ton problème? Regarde ce que tu fais. Qu'est-ce que madame vient tout juste de dire? Et puis quoi? Tu vois pourquoi je dis que tu n'es pas sage? Va les laver. Pardon, je la laisse, va faire et autre chose. Va les laver. Je suis derrière toi. Suis-je en train de rêver? Oui, ceci semble être un rêve. Comment pourrais-je expliquer cette grossesse quand ça fait des mois que je n'ai pas eu de rapport avec aucun homme? Comment? J'ai lu quelque part où une femme n'a pas eu de rapport après plusieurs années et juste après s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Ça veut dire que je vis son cas. Non. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va sérieusement pas avec moi. Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour souffrir autant? J'en ai fini avec les hommes. J'ai essayé de m'abstenir et d'être loin des hommes à cause de... Et maintenant, ça... Maintenant, je serai la risée de tous. Et là, les gens diront... Oui, Lucia est enceinte. Et elle ne... connaît même pas qui est le père du bébé. Ceci est une honte. Une honte. Où est madame? Elle vient juste de partir. Ah, mais elle m'a demandé de lui faire à manger, qu'elle aimerait manger quelque chose. Je lui ai dit la même chose, mais elle m'a repoussée et elle est sortie. Si elle est sortie, ça signifie qu'elle a assez d'énergie pour, tu sais, supporter la journée. Je le pense également. C'est bien, laisse-moi juste finir ce que je faisais à l'intérieur. Ok. Hey, Bizzy. Effie, mon bar. Comment tu vas? Effie, la façon que tu viens chez nous. J'espère que tout va bien. Comment va mon petit ami? Dieu. Hey, quel petit ami? J'espère que tu ne parles pas d'Ali. Bien sûr, qui d'autre? Ali, non? Tu sais que c'est mon nom. Regarde. Hey, Effie, tu sais que tu es mon ami. Et tu sais que je ne peux pas te mentir, n'est-ce pas? Regarde, Ali n'est pas un homme pour toi. Je te conseillerais d'aller dehors chercher un homme qui te vaut. Pourquoi? Je ne comprends pas. Regarde. Depuis 3 ans et plus que je suis dans cette maison avec Ali, même pas une fois, je n'ai vu aucune femme dans cette maison. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tout ne va pas avec ça. Comment un homme de son âge survit sans une femme? Cela est même possible? Cela est-il même normal? Regarde, ce soir, Ali est un puissant, comme je l'ai dit. Ou alors il est gay, comme je le pense. Ou alors il cache sa femme quelque part. Bissi, attends. Pourquoi me dirais-tu toutes ces choses alors que tu sais que j'aime tant ce gars? Pourquoi? Pourquoi me dis-tu tout ça? Pourquoi non? Pourquoi je dirais tout ceci? Pourtant, je sais que tu l'aimes tellement. Donc, tout ce que je viens de te dire là, tu n'as rien compris. Je te dis que cet homme n'aime pas les femmes. Il est gay. Il est impuissant.
Il n'a rien à foutre avec les femmes. Arrête de perdre ton temps venant ici. Je vais continuer d'insister. Je l'aime. Tu essaieras. Tu l'aimes. Oui. Pardon. Rentre chez toi. J'ai affaire. Pars. Merci pour tes conseils. S'il te plaît, pars. Ne me perds pas plus de temps. Ne viens plus ici. Oh. Je le ferai. Ne viens plus ici. Ah. Tu avais raison, docteur. Je suis vraiment enceinte. Bien sûr, je sais. J'avais raison. Et tu allais le faire ailleurs? Oui. Et tous les symptômes et les signes de comment je me portais, tout prouve que je suis enceinte. Bien. Ça signifie que vous devez commencer les visites prénatales. Et ensuite, vous devez bien prendre soin de vous. Je ne peux pas être enceinte. Pardon? Je ne peux pas être enceinte, docteur. Je le pensais quand je vous ai dit que je n'ai pas eu de rapport depuis plus d'un an. Alors comment cela est-il possible que je sois enceinte? Ou ceci signifie que j'ai été enceinte des années et cela se manifeste juste maintenant? Je ne pense pas comprendre ce que vous voulez dire. Oui, parce que j'ai lu quelque part dans un journal que... Oui, quelque part. Que cela s'est produit quelque part en Europe. Qu'une femme est tombée enceinte et cela s'est manifesté après 2 ans. Et le docteur a affirmé que c'était les conditions climatiques qui ont affecté un pourcentage de femmes. Cela signifie-t-il que je sois dans les mêmes conditions? Non. Lucia, tu es enceinte de 2 semaines. Et si tu veux que nous effectuions un scan dans ce sens, nous pouvons vérifier quand tu es tombée enceinte et la date de délivrance. Et je suis très sûr que tu n'es pas tombée enceinte il y a plus d'un an. Tu peux me croire. Alors, cela signifie-t-il que je sois tombée enceinte sans rapport sexuel? C'est possible, n'est-ce pas? Non, Lucia. On parle de grossesse juste quand, lorsqu'il y a croisement entre un sperme et un ovocyte. Et bien sûr, c'est le cas ici. Mais je n'ai aucune idée de comment je suis tombée enceinte. Je n'en ai vraiment aucune idée de comment ça a pu se passer. Lucia, parle doucement et ressaisis-toi. Tu prends la chose du mauvais côté. Ok? Je pense que tu dois reprendre tes esprits. Et tout te reviendra. En plus, tu n'es pas supposé te mettre la pression parce que tu es enceinte. S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît. Bienvenue, Rita. Prends place. Alors, que puis-je t'offrir? Pourquoi ne commences-tu pas par me dire pourquoi tu as traité ma meilleure amie comme tu l'as fait? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu savais que tu avais une femme avec qui tu sortais depuis 3 ans et tu as eu le courage d'aller voir mon amie. Quel genre d'homme es-tu? Un homme qui aime Lucia et veut être avec elle, mais le passé m'a rattrapé. Vraiment? Bien sûr. Je suis vraiment déçue par toi. Oui. Tu sais combien Lucie a été déçue en amour et tu as le courage de me demander de parier en ta faveur. Tu me prends pour une idiote, n'est-ce pas? Rita, je ne pense pas que tu sois folle. Écoute, je suis désolée. Je sais que j'ai gaffé. J'essaie d'arranger les choses. S'il te plaît, je veux qu'elle revienne. Aide-moi à la faire revenir. Et que vas-tu faire de l'autre femme? Nous avons rompu. C'est fini entre nous. Je ne peux pas vivre sans Lucie. Je veux qu'elle me revienne. Elle est tout ce que j'ai. Elle a compris, nous nous sommes mis d'accord. On a mis fin à la relation. Benson, je vais te poser une question. Et j'aimerais que tu sois honnête et franc envers moi. Ok, bien.
Tout ce que tu veux, je te dirai, sans problème. À quand remonte tes derniers rapports sexuels avec elle? Pardon? Tu m'en dis, c'était quand la dernière fois que vous avez couché ensemble? Quel est ce genre de question? Réponds juste à ma question. Lucia t'a envoyé pour me poser ce genre de question alors qu'elle sait qu'on n'a pas fait l'amour depuis 6 mois que nous sortons ensemble? Si tu n'es pas responsable de sa grossesse, alors qui c'est? Go! Go! Tu sais quoi? J'en ai terminé. Go! Juste pour que tu saches, Lucia et moi avons discuté. Et elle a été claire quand elle a dit qu'elle ne veut plus jamais avoir affaire à toi. Et respecte sa décision. Reste loin d'elle. Au revoir. Lucia est enceinte? Écoute, j'aimerais bien t'accompagner au marché. Oh. Mais tu connais cet idiot d'Ali. Il appellera madame pour lui dire que j'ai quitté la maison. Chai, j'aime vraiment ton habillement. Ma patronne m'a laissé assez de temps pour aller faire les courses. Hey. Tu dois m'accompagner au marché. Ça te viens voir les vêtements. Ah, regarde mon corps. La dernière fois que je suis allée. Jupe. Hey, je me permets un peu de partout. J'aimerais t'accompagner. Mais que m'achèteras-tu, hein? Non. Si tu vois cette jupe, tu dois venir avec moi. Comme ça, tu feras de toi-même. Hein? Oui. Hey, tu feras des vêtements partout. Salut. Ce n'est pas à toi que je parle. Place-toi là-bas. Va te placer là-bas. Que fais-tu ici? Salut, bébé. Aïe, aïe, aïe. Va-t'en. Ali. C'est quoi ça? Regarde ma tenue sexy. Juste pour toi. Hein? Pour qui? Pour toi, non. Je me suis habillée pour te montrer. Donc c'est à cause de moi que tu t'habilles comme une prostituée en retraite? Pardon? Venir ici, en cet après-midi ensoleillé, juste à cause de moi. Ah! Ali, tu ne souffriras pas. Ali. Tu t'adresses à moi? Non, je me parle à moi-même. Je t'ai dit de ne plus venir ici. Je t'ai dit d'arrêter de venir ici. Si madame arrive ici maintenant et te voit placée ici avec tes jambes tordues, que vais-je lui dire? Ali, calme-toi. J'ai guetté pour me rassurer que ta madame soit déjà partie avant de venir. Tu t'es rassuré? J'ai guetté. L'espionnage. Tu t'es rassuré? Je pense que je vais dire à ma patronne de parler à la tienne parce qu'on ne te donne pas assez de travail. C'est pour ça que tout le temps tu viens par ici, hein? Ton corps te démange partout et tu viens demander de l'aide à Ali. Ce n'est pas moi, je ne suis pas intéressé. S'il te plaît, je ne suis pas intéressé. Je te l'ai dit. Effet, arrête de venir ici, je vais te mettre la honte. Ça suffit. Ça suffit. Ce n'est pas parce que je viens ici pour te chercher que je t'aime ou autre. C'est la raison pour laquelle tu me parles n'importe comment. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On m'a même dit que tu n'es pas un homme. Oui. Que tu portes des couilles vides entre tes jambes. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pars, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Va-t'en. Mais regarde-le. Vas-y. Oui, vas-y. Qu'est-ce que je t'ai dit? N'étais-je pas vertie? Tu m'as averti, mais je ne t'ai pas écouté. Regarde-moi un peu en arrière. Il ne porte rien du tout. Mais se font partout. Tout ça pour rien. Je t'ai averti. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette confession. Hein? En fait, si tu me vois, fais-moi tout ce que tu veux. Tu dois revenir. Tu dois revenir. Ah non, 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 non. Ouvre ce portail. Je veux partir. Ouvre-le toi-même. Je ne peux plus supporter ça. Ouvre. C'est quoi tout ça? Je t'ai averti. Imagine un peu. Je t'ai dit. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette concession. Essaye un peu d'imaginer une belle fille comme moi. Des hommes meurent pour m'avoir. Tu reviens. Dégage. Tu reviendras, oh. Hein? N'est-ce pas, tu l'aimes? Hey, Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Hey, babes. Où es-tu, effet? Hey, Dieu, je veux mourir. Ben, arrête. Arrête ça. Pourquoi tu dis à Effet que je suis impuissant? Ah, je ne comprends pas. Comment ça, tu ne comprends pas? Est-ce que je suis impuissant? Où ai-je menti? Toi-même, tu es censé savoir que tu es impuissant. Tu es impuissant, non? Tout le monde sait que tu es impuissant. Même ici, cet endroit où nous vivons, sait que tu es impuissant. N'en parlons pas des voisins. Ah, Oga, regarde comment tu es beau. Regarde-toi. Elle en sait comme tu es. Rien. Rien à offrir, regarde-toi, tout ça, rien à offrir. Ah, regarde-moi, non. 3+.
3 ans et demi que nous sommes dans cette maison. Même pas, chut, avant que je dise, regarde-moi. Tu vois, non? Ah, ah, même pas un mot. Oh, gars, tu es impuissant. Même dans tes rêves, tu es censé savoir que tu es impuissant. Ce que j'ai dit a effet, c'est la vérité. Parce que moi-même, je sais que tu es impuissant. Rien ne te donne le droit de m'appeler impuissant. Tu es impuissant. Bissi, ne m'appelle plus impuissant. Si tu n'es pas impuissant, prouve-le-moi. Fais quelque chose. Sois audacieux. Fais que cette chose s'élève. Prouve-moi le contraire. Va dehors et ramène-moi. Même 10 femmes dans cette maison. Je vais les entendre crier, non? Pour ton bon travail. Hein? Yes. Que ça ne soit plus cette fille, ok? Parce que je vais sûrement... Oh gars, s'il te plaît, ne tue pas la fille de quelqu'un. Ne tue pas la fille de quelqu'un, sinon tu épouseras un cadavre. Ne tue pas la fille de quelqu'un. Allez! Hé, hey, impuissant. Qui m'a dit qu'il est impuissant? Tu es impuissant, oh gars. Tu es impuissant. Tu ferais mieux de te réveiller. Il a... Je ne sais pas comment. Et ouais, enceinte bébé. Comment es-tu arrivée là? Tu veux un peu de vodka? Oui, tu le veux. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas entrer. S'il te plaît, laisse-moi passer. Vous ne pouvez pas entrer. S'il te plaît, laisse-moi passer. Monsieur, calmez-vous. Pour éviter le désagrément, avant que j'en arrive au point de vous pousser hors de ce portail, respectez juste... Désagrément. Mais monsieur, restez là. Écoute, si tu lèves encore ta main sur moi, je vais te frapper. Vous allez me... Bien sûr, je vais te frapper. Si tu oses encore me toucher, je vais te frapper. Vous allez me frapper. Sors de mon chemin. Vous voulez me frapper? Mais que se passe-t-il ici? Oh! La reine est finalement arrivée pour sauver son esclave. Bienvenue. Hein? Que fais-tu chez moi, Benson? Je t'ai dit que je ne voulais plus te voir. C'est ce que je me suis dit, que j'étais le seul capable de pécher. Je ne savais pas que j'étais aussi cachotière au point de coucher avec des hommes différents. Monsieur. Si vous répétez ce mot une fois de plus, je serai celui qui va vous frapper si vous tentez de répéter ce mot. Dites-le encore une fois de plus maintenant. Si encore jamais une fois tu de plus. Dites-le encore une je fois te renverrai dans ton village. Je me renverrai si au village. Tu m'interromps pas encore. Permettez-moi de frapper, tu comprends? Je vais le mettre dehors. Tu es chez moi et tu n'as pas le droit de me parler de cette manière. Est-ce que tu m'entends? Je veux juste savoir pourquoi tu m'as fait me sentir comme un vilain. Pourquoi m'as-tu traité de la sorte? Pourtant, tu passais ton temps à coucher avec différents hommes jusqu'à tomber enceinte. Je veux juste savoir. Comment as-tu su... Oh, mon Dieu, Rita. Oui, Rita me l'a dit parce qu'elle pensait que j'étais le tort de ta grossesse. Maintenant, imagine quand elle a réalisé que je ne t'ai jamais touché, ni même te voir nu. De toute façon... Je ne te dois aucune explication. Alors, hors de chez moi et reste loin de moi. Je sais que tu me dois des explications. Hein? Tu me dois des explications. Non. Je veux savoir si j'étais avec une femme. Monsieur. Ou alors j'étais avec une pute. On ne fait pas de bruit par ici. Hein? Ceux qui vivent par ici ne crient pas. Ce n'est pas un marché. Donc, arrêtez de crier. Alors, sors. C'est par là-bas. Je vais appeler la police. S'il vous plaît. Mets-toi dehors. Merci. Sais-tu ce qui me rend fier? On ne veut pas savoir. C'est que... Parce que je n'ai pas perdu ma virilité à cause de toi. Ok, nous avons compris. Car j'aurais été l'une de tes victimes. Okay. Victime d'une femme comme toi. Mais qui passe comme un homme. Calmez-vous, si tu monsieur. Mets encore les pieds chez moi pour raconter des bêtises, tu verras ton âme rôtir en prison, idiot. Attends un peu. Ce gars voulait me frapper. Ah! Ce travail culinaire que je fais a finalement atteint son niveau. Il veut me frapper. Donc, madame a eu un autre homme, en dehors de monsieur Benson, et nous ne savions pas. Oh, alors c'était juste le plaisir d'une nuit.
Je ne pense pas que madame soit ce genre de femme. Non. Elle n'est pas ce genre de femme. J'en suis certain. Pourquoi le dis-tu? Parce qu'elle est tellement réservée. Tu sais, madame ne fréquentait pas les hommes et aucun homme ne venait dans cette maison pour la voir. Rien ne s'est passé jusqu'à l'arrivée de Monsieur Benson. Madame pouvait vraiment s'éloigner du monde. Tu sais? Et cela lui a pris du temps avant que Monsieur Benson n'arrive sur la scène, essayant de l'aborder. Avant qu'il n'arrive à ce stade, c'était un gros problème. Alors, c'était ça. Ne penses-tu pas qu'elle devait déjà avoir un enfant? Pardon. Ce sont des femmes comme elle qui prétendent le plus. Elles se comportent comme des anges. Lorsque personne ne les voit, elles trichent. Ah. Je ne sais vraiment plus à quoi penser. J'aurais souhaité que tout ça n'arrive jamais. Évitons juste d'être affectés. C'est tout. Affectés? Ouais. Que veux-tu dire? Si vraiment madame est enceinte, par exemple, cela signifie qu'on ne connaît pas le monsieur. Mais si le monsieur s'avérait être réel, qu'est-ce qui arrivera? On perdra notre boulot. Attends, penses-tu que madame puisse se rabaisser au point de tomber enceinte d'un homme qui viendra vivre chez elle? Idiote, ce que j'essaye de dire, c'est que si madame est vraiment en couple avec un homme, cela signifie que un jour, elle prendra ses bagages, comme les Africains que nous sommes, pour aller s'installer chez cet homme. Et quand madame ira chez lui, ce monsieur a son personnel. Cuisinier, blanchisseur, jardinier, dans cette maison. Alors ils n'auront plus besoin de toi et moi. Et qu'est-ce qui nous arrivera? On sera renvoyés. Et tu as compris maintenant? Hey, sais-tu que je n'y ai pas pensé? Tu ne pouvais pas y penser. Ah, c'est vrai ou... Ouais. Écoute, tout ceci me donne de violents maux de tête. Attendons juste de voir ce qui va se passer. Ah. Ah, maintenant tu as peur. Bien sûr que j'ai peur, non? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ne le penses-tu pas? Tu peux toujours te trouver un boulot avec ce maigre gars qui vient souvent te chercher. Te voilà qui commence. Je ne recommence pas, je te donne une option. Parce que moi, je n'ai pas d'option. Ce gars peut te trouver du travail pour finalement vous installer dans ce quartier de merde. Tu n'as pas de sens. Vous aurez un avenir à Dieu. C'est moi-même qui me suis mise dans cette bêtise. N'importe quoi. Reste dans ton bureau. Messieurs. Oh, pourtant ce gars a promis à aller me jeter du gaz, hein? Pourquoi certains ne savent pas respecter des rendez-vous, hein? Mon fils Benson, bienvenue mon cher, j'espère que tu vas bien. Maman, maman, ça ne va pas du tout. Maman, je ne vais pas bien, pas du tout. C'est quoi le problème? Hein? Parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Maman, je ne vais pas bien. Ta fille m'a vraiment humilié et c'est en train de me mettre hors de moi. Lucia? Ok, calme-toi, ne crie pas. Je suis sûre que s'il y a un problème, nous allons le résoudre calmement. Viens, viens t'asseoir. Maman, je ne peux entrer ni m'asseoir. Je n'ai pas le temps pour m'asseoir. Ta fille, Lucia, est enceinte et je ne suis pas le responsable. Benson, j'espère que tu sais de quoi tu parles. Méfie-toi. Méfie-toi de ce que tu es en train de dire sur ma fille. Maman, il n'y a pas de temps. Pas le temps de se méfier de quoi que ce soit. Nous avons dépassé le stade des discussions. Ta fille est enceinte. Nous sommes sortis ensemble pendant plus de 6 mois. Et toujours, elle se comportait comme une sainte. Elle ne m'a jamais laissé la toucher, à part ce petit moment de caresse. Et maintenant, elle est enceinte. Elle a passé son temps à coucher avec tous les hommes dans cette ville. Benson, je suis sûre que tu t'es drogué, que c'est ça qui est en train de te tourner la tête et affecte ton cœur. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? Que je suis drogué, maman. J'ai fumé quelque chose, ok? Quand tu rencontreras ta fille, hein? Quand tu la verras, demande-lui que de nous deux, qui a réellement fumé quelque chose. Et tu me diras, hé, je veux juste te faire savoir que nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois.
et rien ne s'est passé clairement. Clairement, entre elle et moi. Hein? Je te souhaite bonne chance en tant que grand-mère prophétique. Je sais que vous vous posez des questions à propos de ce que Benson a dit. Et je ne suis pas là pour contourner. Tous les deux, vous avez été comme une famille pour moi. Depuis que vous travaillez ici et je veux que ça reste ainsi. À moins que vous ne vouliez plus travailler pour moi. Est-ce le cas? Non, bien madame, sûr que nous le voulons, nous voulons madame. Bien. Voyez-vous, je ne suis pas dans mon assiette actuellement. Et j'aurais énormément besoin de mon espace personnel. Et pour ça, Ali, j'exige de toi de ne laisser personne entrer dans cette maison sans mon accord. Je dis bien personne, peu importe qui c'est. Est-ce que c'est clair? Très clair, madame. J'exige également de vous deux que vous teniez vos langues en bride et que vous ne médisiez de moi avec personne. Si je découvre que vous parlez de moi avec quelqu'un, je vous jetterai hors de chez moi à la minute qui suit. Est-ce clair? Oui, madame. Bien. J'aimerais sortir. Ali, s'il te plaît, ouvre-moi le portail. Quelqu'un frappe à la porte. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Maman, où est ma fille? Maman. Où est-elle? Maman, sois la bienvenue. Comment tu vas? Il n'y a pas de comment tu vas cette fois-ci, Lucia. Je t'en prie, assieds-toi. Nous devons parler. Ok. Assieds-toi, assieds-toi. Qu'est-ce que vous faites planter là? Dégagez! Dégagez de là. Vous n'avez rien à faire à l'intérieur. Maintenant, dis-moi. Ta grossesse a combien de temps maintenant? Oh, tu pensais que je n'allais pas être au courant? Benson m'a tout raconté. Mec, vas-y calmement. Ce n'est pas nécessaire de se donner autant de peine. C'est que tu ne peux pas comprendre. Comprendre quoi? Tu ne peux pas comprendre. Le monde entier doit entendre parler de tout ça. Du calme, du calme. Pour quel profit? Je n'ai plus rien à cirer du profit. Écoute, Lucia s'est jouée de moi. Elle a osé me prendre pour un fou. Tu sais bien comment ça a été difficile de jouer le bon mec pour elle. Pendant qu'elle prenait son pied avec les mecs de la ville. Écoute. Jusqu'à même tomber enceinte. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle a eu des rapports non protégés. C'est le comble. Mec, tu t'es aussi joué d'elle. Ouais. Tu es avec Yvonne et tu sors avec elle. Et apparemment, cela ne te dérange attends, pas attends, de quel côté es-tu? Parti? De quel côté es-tu? Je ne prends absolument aucun parti, mec. Je veux que tu prennes les choses canon et que tu la laisses tranquille. Tu as ta part de responsabilité dans cette histoire. Tu sais quoi? J'en ai marre de te parler. Je veux que tu saches un truc. Tout le monde que je connais, qui me demandera Lucia, je leur dirai tout simplement que c'est une pute. Une racaille. Je le dirai à Mondovision. Prends le calmement. Lucia est une pute. Calmement. Tout le monde, Lucia est une pute. Lucia est une pute. Les tests montrent que je suis enceinte de 4 semaines, 2 jours. 4 semaines, 2 jours de grossesse? Oh, Lucia, dis-moi que tu blagues. Tu sais que dans ce monde, nous n'avons personne si tu comptes. Nous ne pouvons compter que sur toi et moi. Je le sais, maman. Que veux-tu que je fasse? Ok. Je veux que tu te calmes et que tu réfléchisses bien. Tu as eu des rapports sexuels avec quelqu'un. Il y a 4 semaines, 2 jours exactement. Je veux que tu réfléchisses bien. Réfléchis clairement.
Avec qui est-ce que tu l'as fait? Je l'ai déjà fait. Et? 4 semaines, 2 jours. C'est le même jour où j'ai surpris Benson avec une autre femme. Oui, je suis allée chez lui cette nuit, en fait, pour avoir du sexe avec lui. Mais après l'avoir surpris avec une autre femme, rien ne s'est passé. Je me suis énervée et je suis partie. Je n'ai rien fait avec lui, maman. Oh. J'étais blessée, maman. Oh. Maintenant, dis-moi. Tu essayes de me faire comprendre que tu ne sais pas qui est responsable de ta grossesse à ton âge, Lucia? Regarde-toi, dis-moi. Dis-moi. Maman, tu penses vraiment que qu'une grande fille comme moi soit fière de ce qui se passe, hein? Penses-tu que je suis fière? Maintenant, ok, dis-moi. Qu'est-ce que nous allons faire de la merde dans laquelle tu nous as fourré? Vas-y, dis-moi. Dis-moi. Je sais pas. C'est pas. Où est-ce que je vais commencer? Oh mon Dieu, où est-ce que je vais commencer? Où est-ce que je vais commencer? Maman, s'il te plaît. Dis-moi. Nous sommes les seules personnes à prendre soin de nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Maman, il faut me croire. Hey. Ah ah, comment tu t'effraies comme un raquet sur le point de s'échapper? Arrête, arrête, arrête. Arrête, ma. Ah, arrête de me déranger. Eh? Arrête, ma. Ah. Oga. Qu'est-ce que tu me veux? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Désolé, Oga. J'étais juste en train de faire mes 100 pas là derrière. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, quelle est la situation à l'intérieur? Tu vas bien? D'où sors-tu? Que veux-tu dire? Tu viens d'en haut? Es-tu tombé du ciel? Hey, tu ne viens pas de l'intérieur? Oga, 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 s'il te plaît. Je ne sais pas quel est ton problème, mais quoi que ce soit, ce n'est pas mon problème. C'est toi mon problème. Tu sors de l'intérieur me demander à moi qui suis dehors. Tu me demandes ce qui se passe à l'intérieur. Ça ne va pas chez toi? S'il te plaît, excuse-moi. Viens, viens, viens. Quoi? Viens d'abord. Quoi? Viens, regarde où tu mets les pieds. Viens. Me voici. Peux-tu aider quelqu'un? Quelqu'un? Aider, oui. Ah, je peux aider quelqu'un. Si c'est quelqu'un, ce n'est pas toi. J'ai besoin de ton aide. Toi et moi travaillons ici. Je veux que tu m'aides. S'il te plaît. Hey. J'ai une situation sur la main et il me faut de l'argent pour la résoudre, s'il te plaît. Je sais que tu as des petits services. Hein? Attends, attends. Si je comprends bien tout ce que tu essayes de dire, tu veux que moi, je te prête de l'argent? Bien sûr. Moi, après m'avoir tout juste offensé, tu veux que je te prête de l'argent? Mais j'étais juste... je suis désolé. Tu prends les choses trop à cœur. Juste ces petits mots et tu es déjà fâché. Pardonne-moi. Aïe. Tu devrais savoir que si j'ai l'argent maintenant, je préférerais le donner à un rat de l'église que de le donner à toi. Ali, non. Juste un peu d'argent, s'il te plaît, je vais te rembourser. Ah. C'est un prêt et non un don. Tu n'es pas capable de faire un don à une personne. En tout cas, après réflexion et vu mon bon cœur, de combien as-tu besoin? Si tu peux me donner 10 000, j'apprécierais beaucoup. Dis quoi? Seulement 10 000, je vais te rembourser. Et puis quoi encore? Parce que je suis devenue la Banque Internationale du Nigeria, c'est ça? Bissi, aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est une situation qui a besoin d'intervention rapide. Hé, hey, monsieur, écoute.
J'ai juste 100 000 naira à te prêter. Et j'ai besoin de ça ce week-end. Oui, donne-le-moi, je vais chercher le reste ailleurs, s'il te plaît. J'ai besoin de ça ce week-end. Oui, je vais te rembourser ce week-end. Ok. Viens, non, c'est dans ma chambre, viens chercher. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ne pas aller dans la chambre et ramener l'argent? Pourquoi faut-il que je te suive à cause de 5 000 BC? À cause de mes 5 000 naira. Oui, à cause de 5 000 naira. Ce n'est pas mon argent. S'il te plaît, va à l'intérieur et ramène l'argent. Je ne veux pas te suivre à cause de 5 000. Je n'ai pas confiance. Hein? Tu ne me fais pas confiance et tu veux mon argent. Mais... écoute, allez, méfie-toi. Je suis désolé. Méfie-toi. Oh. Désolé. Ah ah. Pardonne-moi. De toutes les façons, j'ai besoin de mon argent ce week-end. Tu l'auras, ramène juste l'argent. Ok. Ali, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu envoyé quelqu'un m'appeler? Parce que j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Mon aide? Oui, ton aide. Est-ce que je ressemble à un officier de police ou un pasteur? S'il te plaît, je ne suis pas venu me quereller. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi, s'il te plaît. Après m'avoir insulté, tu m'as traité de tous les noms dont personne n'avait encore fait. Tout ce que tu m'as dit. Alors pourquoi aurais-tu besoin de mon aide? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'autre option, s'il te plaît. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai dit et toutes ces insultes. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Alors, c'est quoi le souci? Ma maman va très mal. On vient tout juste de m'appeler qu'elle est dans un état critique. Je leur ai envoyé tout l'argent que j'avais. J'ai juste besoin d'un prêt de 10 000, je vais te rembourser. Je vais payer le transport pour aller voir la situation en face. Eh bien, c'est sérieux ça. Navré pour ça. Ok, je vais t'aider. Merci. Merci. Calme-toi, calme-toi, ne te précipite pas. À une condition. C'est quoi la condition, Effet? Simple, embrasse-moi. Embrasse-moi, ouais. Touche-moi, fais de moi tout ce que tu veux. Effet, nous sommes dehors. Hmm? Alors? Ah, s'il te plaît, les gens nous regardent. Je m'en fous. En fait, rapproche-toi, pourquoi t'éloignes-tu? Viens, viens. Je ne suis pas loin. Effet, s'il te plaît, aide-moi. Ok, voilà ce qu'on va faire. Je vais t'embrasser. D'accord. Et d'ailleurs, nous allons faire plus que ça. Il faut juste que tu viennes à la maison. Juste pour 10 minutes, mais ne viens pas habillé comme ça. Porte ces petits trucs qui montrent tes jambes. Et ensuite, tu viens. Je vais t'embrasser. Rapproche-toi, non. Pourquoi te tiens-tu là-bas? Viens juste à la maison. Je vais t'embrasser, je te le promets. S'il te plaît, quand tu viendras, on fera tout ce que tu veux. Je te le promets. Hein? Et quand tu viendras, tu apporteras l'argent que tu as promis. Non. Je vais t'aider. Laisse-moi aller prendre l'argent. Tu me le donnes oui, maintenant. Juste. Ok, j'attends. Dis-moi. Merci. Merci. Ouais. Ah. Ali? 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 Ah ah. Ali! Ali! Ma, il doit être à la cuisine. Oui, Ma. Je vais le chercher. Ali! Ali! Ah. Ma, il n'est pas à la cuisine, non? Il n'est pas à la cuisine. La cuisine, là, vient juste d'apparaître. Hein? Donc, tu veux me faire croire que je suis aussi vieille que ça, que je ne peux me rappeler de rien? Non, Ma. C'est bon. Il doit être dans sa chambre. Laisse-moi vérifier. Hey. Je reviens. Ali! Ali! C'est vraiment très étrange. Ah, où est-il? Ma, il n'est nulle part. J'ai regardé dans la chambre et il n'y est pas. Oh, vous l'avez envoyé quelque part? Je l'ai envoyé quelque part. C'est pour ça que j'ai oublié. Pour qui est-ce que vous me prenez même? Pour une femme qui ne peut se souvenir de rien? Hein? Non, Ma. Non, je te le demande. Donc... c'est comme ça que vous vous comportez avec moi dans la maison de ma fille? Non, Ma. Je vois. Ah, ah. Que
se passe-t-il? Pourquoi ces bruits? C'est à Leo. Je le recherchais, Booker. Il te prépare quelque chose à manger. Mais on le cherche partout, il est introuvable. Tu l'as aperçu quelque part? Non. Bissy, as-tu regardé sa chambre? Oui, madame, j'ai regardé partout. Il n'est pas là. As-tu pensé même à l'appeler? Oh, non, ma, j'ai oublié. Où est mon téléphone? Je l'ai laissé ici. Éteint? Ah, ça c'est inhabituel. Bien, maman, je suis sûre qu'il est allé acheter quelque chose et en sortant, il a oublié de dire qu'il sortait. Ne sois pas inquiète, il sera bientôt là. C'est bon. Donc, c'est comme ça que vous vous comportez avec moi dans la maison de ma fille? Maman, c'est bon. Ça va. De toutes les façons, ma chérie, laisse-moi aller là à l'intérieur pour te faire quelque chose à manger. Il n'est pas bon pour toi de rester comme ça dans cet état, d'accord? Ok, maman, merci. Je t'en prie, ma chérie. Suis-moi. Marche là-bas. Avance. Dépêche-toi. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Il y a encore quoi, Effie? Que veux-tu? Viens. Faire quoi? Je suis venue voir Ali. Je suis venue voir Ali. Ali? Ali est introuvable. Non. J'ai vu Ali. Il m'a demandé de venir ici. Dans 10 minutes. Qu'il va voyager pour le village pour voir sa mère malade. Alors, je suis venue en 5 minutes. Attends. Ali a dit qu'il allait au village. Oui. Il a dit que sa mère est malade, que je dois venir en 10 minutes. Mais je suis venue en 5. Je suis venue à temps. En 5 minutes. Mère malade. Village. Ah. J'ai vu Ali, il m'a demandé de venir ici. C'est pour ça que je suis là. Es-tu sûre? Ah. Je suis très sûre. Ali? Ali? Ah, ah. Il semblerait qu'il ne soit pas là. Ah. Madame. Hein? Regardez. Il a laissé une lettre. Hein? Je suis partie. Partie pour de bon. Partie? Ah, ah. Ali est parti? Tu en sais quelque chose? Non, 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 non. Non, dis-moi, qu'as-tu fait? Non, madame. Qu'as-tu fait, Bissy? Dis-moi exactement. Dis-moi la vérité, Bissy. Madame, je ne sais rien. Tu ne peux pas parler du fait qu'il voulait partir de cette maison? Non, Ali ne m'a rien dit. Regardez, je jure, je ne suis au courant de rien. Rien du tout. Ah, ah. Marche là-bas. Avance. 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 Maintenant, dis-moi. Où est Ali? Et où Ali? Où est-ce qu'Ali t'a dit qu'il partait? Madame, il m'a dit que sa mère est malade et qu'il voyageait pour la voir. Il m'a dit que sa madame lui a donné de l'argent, mais que ce n'était pas suffisant, que je lui prête de l'argent. Madame, c'est tout ce que je sais. Menteuse! Tu racontes des gros mensonges! T'étais la dernière personne à avoir vu Ali dans cette maison, alors tu vas me dire exactement ce que tu sais, maintenant! Il a dit qu'il voyageait, madame. Je jure, je jure. Tu jures? C'est tout ce que tu sais faire. Tu feras mieux de parler maintenant. Commence à parler maintenant. Parce que tu nous diras exactement ce qu'Ali t'a dit et si c'est dans les moindres détails. Parle maintenant. Je ne veux pas parler. S'il te plaît, laisse-la tranquille. C'est clair qu'elle ne sait pas où il est. Comment peut-elle ignorer où se trouve Ali? Hein? Regarde un peu comment cette fille est habillée. Et quel est le rapport avec son habillement? La façon dont elle s'habille. Cette façon. Cette façon montre qu'elle n'est pas innocente. Ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Donne-moi une minute, le temps de réfléchir. Hein? T'as dit que tu devais te donner une minute pour réfléchir? Ali a subitement disparu et cette fille est la seule à connaître... Mère, mère, si tu ne te tais pas, je te mettrai hors de chez moi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oui, parce que si tu dois rester ici et faire des bruits face à cette situation, alors tu partiras. Point final. Toi. Thank you.
Oncle Obed. Lucia? Maman Lucia? Comment vous êtes visée? Où est Ali? Ali? Quel Ali? Oncle Obed, je ne suis pas venue plaisanter. Je sais qu'Ali est ici parce que tu es la seule connaissance qu'il a dans cette ville et me l'a fait savoir lorsque je suis venue l'embaucher. Alors, où est-il? Je ne sais pas où il se trouve. Quel est le problème? Ali ne se trouve nulle part. Et je vous promets, si vous ne me montrez pas où vous le cachez, je vais me rassurer que vous soyez arrêté et j'étais en prison jusqu'à ce que vous confessiez. Monsieur Obeg, où est votre neveu? Où est-il? Hein? Dites-moi d'abord ce qu'il en est. Quel est le problème? Je suis enceinte. Et Ali est le responsable. C'est impossible. Excusez-moi. Je m'ai entendu. Ali ne peut pas enceinter une femme. Je l'ai dit. Ma, je l'ai. Vas-tu? Hey. Ali n'est pas impuissant. Lucia, Ali m'a absolument tout raconté. Mm-hmm. Ali ne peut enceinter aucune femme. Oui, parce qu'il vit avec un sort qui lui a été lancé au village. Oui, on lui a lancé ce sort parce qu'il a enceinté une fille. Et la fille s'est malheureusement suicidée parce que Ali ne pouvait pas suivre les rites traditionnel que la famille de la fille lui a imposé. Par conséquent, la famille de la fille s'est réunie et lui a lancé un sort qui dit qu'il ne pourra jamais enceinter une femme. Quoi qu'il fasse, une femme ne sera jamais enceinte de lui. C'était il y a des années. Oui, ils l'ont tué. Oui, ils ont laissé la femme que j'aimais se tuer. Et ils m'ont mis tellement de pression. M'imposer beaucoup de trucs. Et lorsque j'ai refusé, ils m'ont jeté un sort. Madame. Écoutez, j'ai mes faiblesses, vous comprenez? Je suis désolé. Vous savez que j'ai essayé de... Ali? 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 Madame? Je... Reviens. Viens par ici. Tu me tournes le dos? Tu me tournes le dos? Non, madame, je pensais que vous dormiez. Ali. Ali. Madame. Méfie-toi. Où est mon vin? Madame, votre vin est... juste dans votre chambre. Je peux vous y amener. Ok, dans ma chambre, n'est-ce pas? Oui, madame. L'as-tu mis près de mon lit? C'est juste près du lit, madame. Si vous permettez que je vous relève. Doucement. Ok, madame. Tu vas être un gentleman? Bien sûr, madame. Alors tiens le premier bras. Ok. Et le second? Doucement, faites attention à votre pied. Ok, juste pour... Gros menteur. Tu as violé ma fille quand elle était sous l'emprise de l'alcool. Et tu l'as mise enceinte. Il ne m'a pas violée, maman. Il ne m'a pas violée. Ali. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit. Parce que j'ai totalement tout oublié. Jusqu'à ce que je lise la lettre. C'est ainsi que tout m'est revenu sur tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu ne m'as pas violée. En fait, je t'ai séduite et je t'ai poussée à coucher avec moi.
Je me souviens, madame. Je me souviens de tout. Je me souviens. Mais je pense toujours que je ne suis pas le responsable de l'enfant que vous portez. Je n'ai pas été avec une femme depuis très longtemps. Et je me suis fait à l'idée de rester très loin des femmes à cause de ce sort. Je veux dire, à quelle fin? Écoute-moi. Je ne sais pas ce que les gens de ton village t'ont fait ou quel sort tu penses qu'ils t'ont jeté et que tu y crois. Mais je peux t'assurer que ce sort a été brisé grâce à cet enfant que je porte. Tu es le père de cet enfant, Ali. Mais, madame, je... Il n'y a pas de mais, Ali. Tu vois, j'ai toujours voulu d'une famille où le père de mes enfants et moi élèverons nos enfants ensemble comme une famille heureuse et unie. À l'instant où je me suis rendu compte que je pourrais être le responsable de votre grossesse, j'ai pris peur. Oui, je me suis enfui parce que j'avais honte de moi et je ne voulais pas vous décevoir. Parce que vous avez été aimable envers moi. De toutes les filles que j'ai connues, je vous assure, madame. Vous avez été vraiment formidable. Et donc tu t'es enfui. Tu t'es enfui me laissant seule avec notre enfant. Je suis désolé, madame. Je veux que tu restes. S'il te plaît. Vous voulez que je reste? Oui. Je veux que tu restes. Pour qu'on essaye de construire ceci. Reste, s'il te plaît, et qu'on essaye. Ok. Ok, c'est compris. Merci d'être venu pour moi. Merci beaucoup de m'avoir élevé. Quand j'étais rabaissé. Merci de faire de moi une femme. Mon oncle. Je sais également que j'ai un oncle vraiment formidable. Et j'apprécie cela. C'est ce que je vois. J'en suis fier. Maman. Je suis contente pour vous, mes enfants. Je ne suis pas un mauvais garçon. Et Bissy. Tu es cuite. Aya. Je plaisantais juste. Merci, monsieur. Ok, j'ai quelques rafraîchissements pour vous. Suivez-moi. Allons-y. D'accord. Allez, allons-y. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.